Mais nouvelle là, Kouniala. Le premier ministre Gary Conny, convoqué ce matin par les membres du Conseil présidentiel de transition. Objectif, révoquer Dominique Dupuy, ministre des Affaires étrangères, là, qui prend initiative qui attaquait la République dominicaine dans les Nations Unies, dans UNESCO et dans le département d'État. Conseil présidentiel l'a estimé que le paquet doit prendre position ça au compte dominicain, ça l'est au même, il n'est pas au courant. Et Dominicain au fait qu'on est, si on pas révoqué Dominique Dupuy, il même, il pas pas possibilité à autorité CPTO pour prendre soin en République dominicaine. Et moun qui était déjà participé dans la diplomatie, qui est Karagwa, il a saisi Kai, et il même tout, il dit, il a mis le coq dehors pour révoquer Dominique Dupuy et pour exercer pression. Dans ce sens, Dominique Dupuy était déjà pris en position claire contre le traité dominicain de raciste dans le discours qu'on s'est publié tout à l'heure là. Donc, CPTA prend parti pour les Dominicains, CPTA a épousé l'expulsion des Haïtiens en République dominicaine parce que chancelier la proposition, ça y'a pas connaît et ça y'a pas d'accord. Scoop. La nouvelle, c'est ça. Donc, Dominique pourrait être révoqué, remercié pour avoir et pris position en faveur d'Haïti. Ici, Gary Pierre Ponsal, la nouvelle a été confirmée par les gens de l'ambassade d'Haïti à New York, à Washington et par le ministère des Affaires étrangères. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce Conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique, qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombre ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier.
Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir, nous entrons longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venue vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée, arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui, comme hier, à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo.